parti. Eh ben, amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Nous sommes le 8-6-2023, jeudi 8 juin 2023. C'était le jour de la fameuse loi à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Passera, passera pas. Un peu plus tôt, un peu plus tard, mais on ne sait pas. Donc, on était avec les gilets jaunes là-haut devant sur l'esplanade des Invalides. Et je vais vous montrer la partie cachée, la face cachée de l'iceberg. C'est parti. Donc vous allez voir. Et tous les gilets jaunes se posent la question de savoir mais où ils sont les gens, où ils sont, ben, ils sont là. Ils sont où? Ils sont là. Là, il y a un petit truc sympa. Une expo d'art et là c'est gratuit. Après on ne sait pas. Alors donc voilà. C'est pas la France, c'est Paris. Hein. On voit un peu les trucs là. Et un peu de street art, on dirait. Voilà. Fluctuard. Voilà. Allez, on y va. Ça marche. Ça marche pas, ça court. Voilà, je vais vous montrer. On est jeudi soir. Bon, on va pas. C'est le commerce, hein, ils ont le droit de travailler. Hein. Donc les bateaux mouches, c'est blindé. C'est pas la préoccupation principale, la retraite à 64 ans et peut-être après 67 ans. Mais s'ils se disent mais pourquoi on a laissé faire, eh ben, ils pourront regarder cette vidéo. Voilà, parce qu'ils sont vraiment concernés. Alors des fois il y en a qui ont des bonnes planques, ils gagnent 4000, 5000, des fois c'est peut-être plus encore. Donc après moi le déluge, ils doivent se dire. Voilà, on est parti. Donc nous sommes au pont Alexandre III. Vous voyez, là-haut il y avait les gilets jaunes sur l'herbe, le petit pique-nique. Et puis là, voilà. Vous allez voir, là, c'est encore plus de monde de l'autre côté. La vidéo, on va l'appeler. Et vous faisiez quoi, vous, le 8-6-2023 ? Voilà. Là, c'est pas des touristes, hein. C'est les start-up, les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, les juristes et tout le toutim. Mais bon. Pardon. Voilà, là, il y a le flow, le cash flow, le flow, le cash flow. Regardez la queue pour la bière. Waouh, c'est marqué le nouveau. C'est waouh, là c'est un film. Bonjour, c'est quoi exactement? C'est une petite expérience olfactive, on vous fait sentir des parfums Roger Gallet. Ah d'accord, puis après si on aime bien, on achète après plus tard dans exactement, les magasins. Exactement,
Ouais, c'est ça. C'est pour les filles, ça, c'est pas pour les gars. Non, on a non, des... Ouais, on a mixte, on a bois d'oranger. Ah, aussi, vous avez le mixte. Exactement. Oui, c'est des eaux parfumées bienfaisantes. Moitié homme, moitié femme. Exactement. Ça fait les deux. Pour les deux. Pour les deux, parce que maintenant, bientôt, c'est le transhumanisme. Donc, ça va être homme-femme, femme-homme, on ne sait plus qui est quoi. Mais ça peut juste plaire aux deux. Ça plaît aux deux. Bah, j'en parlerai à mon fils, Roger Gallet. Voilà, parce que moi, le parfum, j'ai passé l'âge. Allez, courage, merci. En tout cas, vous avez des belles tenues, mesdemoiselles. Merci. Voilà. Le parfum mixte. Mixte. Ah, vous êtes verte, vous n'êtes pas orange ? Non. Rose ? Comment ça se fait ? C'est au thé, alors ? Oui. C'est pas les mêmes que votre collègue ? Si, c'est sur la couche. Ah, moi, elles m'en ont mis une couche. C'est du mixte, hein, moitié-moitié. Moi, mais normalement, dans le temps, c'était parfum homme ou parfum femme. Et bien là, maintenant... C'est fini, maintenant. Non, mais il y a du mixte. Du mixte. Voilà. Mixte. C'est le transhumanisme. Les petits garçons, ils pourront choisir s'ils veulent être des filles, ils seront des filles. Elles rigolent, les demoiselles, je vous filme pas. Voilà. C'est... Moi, personnellement, je préfère comme c'était avant. Pas vous ? Non, c'est bon, on n'était pas là. Ah, vous n'étiez pas là, donc voilà. Transgenre, ça s'appelle. Allez, courage. Au revoir. Elles vont sourire, en tout cas, c'est déjà pas mal. Oh là, regardez la queue qu'il y a. Voilà. C'est blindèche. Hein. Voilà. Voilà. Mais t'étais où le 8-6-2023 ? Eh bien, ils étaient là. Alors que j'ai discuté avec une Gégie qui vient du Bouches-du-Rhône, et elle m'a dit, la pauvre, elle est au RSA. Il ne reste même pas 110 euros pour faire le mois. Voilà. Oh là là, regardez la dame aux toilettes. Il y a Zorro là. Ah ouais ? C'est combien pour les toilettes, madame ? 55. Combien ? 50 centimes. 50 centimes ? J'entends pas avec le masque sur la bouche. 50 centimes, merci beaucoup. Par contre, si vous avez le ticket de consommation, vous ne payez pas. Voilà, avec le ticket, c'est comme le parking au supermarché. Vous avez une réduction. Ben là, vous ne payez pas si vous avez le ticket de la bière. Là. Voilà. Donc, voilà, ils étaient là. Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont là, les travailleurs. Ils sont concernés. Hein. Oh là là. Eh ben, on n'a pas les mêmes préoccupations, voilà. Donc c'est pour ça, à un moment, c'est à eux de se réveiller, hein, c'est pas à nous. Hein. Regardez, ils font des pompes. Hein. Je sais pas si vous les voyez. Allez, on lâche rien, les gars. Allez, on lâche rien. Oui, c'est lui qui a gagné. Bravo. Voilà. Et ben voilà. Maintenant, je vais vous montrer. On va aller en haut. Pardon, excuse-moi, chère. On va monter en haut. Vous allez voir les forces de l'ordre et le canon à eau. Je fais une petite pause. Bon, pour l'instant, non, c'est bon. Je vais vous montrer les forces de l'ordre sur le pont de la Concorde le 8-06-2023. Et c'est une côte, alors je suis obligé de marcher à pied, hein, ça monte. J'ai pas d'électrique. Voilà. On va faire une pause parce que sinon les gens... On va faire une pause à ce truc-là. Voilà. Vous voyez, ça bloque tellement ils vont tous boire des coups. C'est le bouchon. Mais dans le temps, c'était déjà comme ça, hein. Je me rappelle, hein, l'été, ça a toujours été comme ça ici. Voilà, donc nous allons voir les forces en présence le 8-06-2023. Donc là, il y a la fameuse Assemblée nationale.
Là à droite, c'est le boulevard Saint-Germain. Voilà, les forces en présence. C'est le consentement, ça s'appelle le consentement, ceux qui sont en bas en train de siroter. Ils ont fait des études pour ça. Ils ont fait les études. Voilà. Eh bien, ça sera pas ce soir, les amis. Voilà. Le fameux canon à eau. Voilà. C'est marrant, ils attendent quelque chose ou quoi? Je vois tellement de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est demain qu'il va y avoir quelque chose peut-être. Hop. Qu'est-ce que c'est? Je suis sur les clous, mon ami. Tu me roules avec ta trottinette sur les pieds. Je suis sur les clous. Voilà. C'est Jarby. Bon ben voilà, c'était Place de la Concorde. Et ben on verra la suite au prochain numéro. À tout bientôt.